accueille Arthur. Bonsoir. Bonsoir. Alors Arthur, vous êtes ici ce soir pour parler pour la première fois à la télévision de votre nouveau métier, comique. Eh oui. Arthur va monter sur scène pour faire un one-man show qui s'appelle Arthur en vrai. C'est mis en scène par Isabelle Nanty. Et c'est à partir du 8 mars 2006 au Cirque d'Hiver devant tout Paris. C'est gonflé quand même. Ouais, enfin, je le fais pas pour le tout Paris qui chante et qui pétille. Moi, je le fais pour le public. Ouais, je sais. En fait, j'ai pas conscience de la folie que c'est. Mais ça arrive petit à petit. J'ai une espèce de boule comme ça qui monte tranquillement. Mais Laurent a vécu ça et c'est vrai que c'est une excitation qui est presque jouissive. Ça, c'est sûr. En plus, être tout seul devant 1000 personnes. C'est ce qu'il y a de plus dur. Pour les faire rire, ouais. C'est quand même. Couillu, oui. Alors, Arthur, vous commencez pas directement par Paris. D'abord, vous vous rodez en région, comme font tous les. Grand comique. Non, pas du tout. Moi, je vais pas en région, genre je vais essuyer les plâtres en province, pas du tout. C'est qu'il n'y avait pas de théâtre pour moi. Non, je vous promets, le Cirque d'Hiver, il est pris à partir de maintenant tout l'hiver. Ah ouais. Sinon, c'est pour ça qu'ils appellent ça le Cirque d'Hiver. Et comme je voulais à tout prix cette salle, elle est libre au mois de mars et je vais en province. Alors, vous allez à Braine-l'Alleud. Ouais, je découvre des villes formidables. À Coudekerque, Branche. Oui, il y a des grandes villes aussi, mais je vais. Non. Je vais à. Il y en a que je connais pas. Braine-l'Alleud, c'est où, franchement? Je ne sais pas. On m'a fait une carte. Je vais à Youth. Je vais dans une ville qui s'appelle Youth. Je vais à Oyonnax. Ouais. Je vais dans plein d'endroits que je connais. Bigouglia. Où ça encore? Fais attention à ce que tu dis, c'est de la Belle Ivan qui a fait ça. Ouais, d'accord. Bonsoir, Leslie. Bonsoir. Quelle est Dis donc, elle s'est fait une couleur, Méline. Yverdon-les-Bains, c'est où? C'est à côté de Yverdon les. Ouais, mais enfin c'est gonflé quand même, hein, n'empêche. Non mais attendez. Même là-bas. Non, mais attendez, faut pas mépriser toutes ces petites villes dans lesquelles je vais. C'est quand même tentant. Je vais aussi dans des grandes villes. Non mais attendez, c'est votre public aussi. Non mais je vais à Yverdon, à Lille. Je crois qu'ils ont la télé à Yverdon les Bains, toi. Ouais. Voilà, c'est clair. Il y a des villes où on va se coucher plus tôt. C'est ça que tu veux savoir. Ouais. Alors qu'est-ce qui vous a pris? Écoutez, je crois que ça fait maintenant de longues années que j'avais ça dans le ventre. Ça montait. J'ai voulu démarrer par ça il y a une quinzaine d'années, ça a été un désastre. J'en avais fait une émission de télé qui n'a pas marché. À laquelle j'ai participé. Impossible. Tout à fait. L'émission Impossible. Ça lui a porté chance. Hein. Ouais. et puis après, j'ai été pris par la spirale de la télé. Ça m'a plutôt bien réussi. Donc voilà, emporté par la télé, la prod, l'aventure et la belle vie que ça m'a apporté. Mais je m'étais toujours dit, à 40 ans, je monterai sur scène. Et je suis plutôt quelqu'un qui fait ce qu'il dit. Et donc, voilà. Je vais le faire. Je serai sur scène à 40 ans, à moins d'un accident. Et c'est le 23 septembre, c'est dans pas longtemps. Ça voilà, voilà, c'est dans 3 semaines maintenant. Ouais. Ouais. On est en pleine répétition avec Isabelle. Ça monte chaque jour un peu plus, la peur. Mais c'est une peur jouissive. Mais parce que. T'as déjà joué, de toute façon. Oui, j'ai déjà joué, mais j'ai jamais joué le spectacle complet. J'ai fait des petits bouts avant le spectacle de Gad ou avant le spectacle de Dany. Mais quand tu joues avant Dany Boone ou Gad Elmaleh devant 5000 personnes, dès que t'éternues, ils explosent de rire parce que c'est un public acquis, tu vois ce que je veux dire. C'est vrai qu'il est con, le public de Dany Boone. Hein. Non. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de te dire que quand le public est là chaud pour Dany et que t'arrives 10 minutes avant, ils te font un triomphe, même Bien sûr. C'est pas drôle, ils sont beaucoup ils plus. Ils croient indulgents. Que c'est Dany déjà, ouais. Voilà. C'est pour ça que je mettais les oreilles comme ça. Alors, en plus, ce qui est formidable dans votre expérience, Arthur, c'est que vous n'êtes pas obligé de faire ça. Vous êtes très riche. Non, je ne suis pas très riche. Il est très, très riche. Je suis très, 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 très riche. Très, très riche, oui. Mais comme ça, une fois. Maintenant, ça s'est fait. Vous êtes le vice-président d'Endemol, qui est une énorme société de production. La classe. De télévision, qui produit La Ferme, qui produit la Starac, qui produit le pensionnat de Chavagnes. Qui possède 50% de Marc-Olivier Fogiel. C'est quoi le haut, le bas, t'as pris quoi? Je sais pas. Mais il y a aussi 50% de Carl Zéro. Enfin, c'est beaucoup d'argent, Thierry. Oui, c'est beaucoup d'argent. Je sais pas si c'est vrai, vous allez nous dire, mais c'est vrai que les gens d'Endemol, quoi, la société Endemol, quand vous allez partir, là, bientôt, ils vous doivent 150 millions d'euros. Non, par personne. Ils sont deux.
Non, c'est beaucoup, beaucoup plus. Ça. Je n'ai pas honte de bien gagner ma vie. J'ai pas tué, j'ai pas violé, je vends pas de la coke, oh. Je suis plutôt honnête. On vérifiera tout ça. Non, mais je t'y invite. Mais c'est simplement que moi, je fais des émissions de télé qui sont extrêmement regardées. Tu verras, Thierry, ça t'arrivera un jour. Non, ça va. Ça va, on peut... Alors, c'est ça dans y est, en fait, ça. Dans ce truc-là, carton ça carton jaune. Ça fuse que Serge. Dans un temps, ça. Serge, tu me le floutes. Voilà, il est flou. Voilà. Tout non. Ce que t'as gagné, continue, vas-y, parle de ça. Je m'en fous, de toute façon, si je suis flou. Ouais. Je m'en fous. Ouais. Moi, j'aimerais qu'on ait un état d'esprit en France comme aux États-Unis, où au lieu de dire on a fait 3 millions d'entrées, aux États-Unis disent on a fait 20 millions de dollars de recettes. C'est juste que voilà, moi je suis père de famille et j'aime pas exposer, je trouve ça presque indigne de dire ce qu'on gagne. Non mais 150 millions d'euros, c'est beaucoup d'argent. Mais qu'est-ce que je vais faire de tout cet argent? Bah oui, c'est bien. Je vais racheter ton émission de télé. Mais si tu veux, si tu veux Arthur, si tu veux. Non mais, je dis ça parce que c'est d'autant plus courageux d'aller sur scène tout seul pour faire marrer les gens quand on a tout cet argent qui va tomber. Gling, 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 gling. Mais... Ce sera payant. Ouais, mais je crois que c'est même pas très cher. Enfin, par rapport aux autres, mais parce que c'est au niveau de l'humour, plus c'est drôle, plus c'est cher. Donc moi, peut-être que ce sera gratuit. Mais peut-être que tu vas devoir de l'argent aux gens. Oui, ça se trouve. D'ailleurs, si vous riez pas... Alors, en plus d'être marié à une femme superbe... Oui, c'est vrai, oui. Hein, pour y rester à la maison, au lieu de monter sur scène. Oui, le seul truc qui va être difficile, c'est de partir pratiquement pendant un an et demi tous les week-ends. Ah ouais. Mais je me suis arrangé pour que ma famille me suive. Ah ouais. Je me déplace en tribu. Les tournées ont des sales réputations. Ouais. Elle embrasse bien votre femme, vous savez. Oui, je sais, ça m'a agacé. Ça m'a agacé la fois où t'as embrassé ma femme. C'est parce que je suis extrêmement jaloux, ça m'a... Ce qui m'a surtout agacé, c'est que t'as bien vu qu'elle voulait pas. Ouais. Et cet enfoiré de Serge Calfon, il a fait genre, ouais, t'as pris un râteau, tu vois. Et j'ai recommencé. Ouais, ouais. Ouais. Voilà, je te heureusement qu'on a coupé après, il en était vert. Hein. Non, mais sérieusement, je plaisante pas. Quand vous pourriez être sur un yacht à Saint-Tropez, en train de dépenser du pognon. Quand la vie m'a souri, que j'ai commencé à bien gagner ma vie, j'ai fait tous les clichés. Saint-Tropez, le bateau, le champagne, tout ce que vous voulez. Bon, ben maintenant, j'ai un peu changé, quoi. J'ai un petit peu mûri. Je garde que le yacht, j'arrête le champagne. Non, mais c'est vrai que c'est souvent, je me dis, mais qu'est-ce... Je prends la carte de France, je me dis, mais tu vas partir un an et demi, tu vas pas profiter de tes potes, tu vas pas profiter des gens que t'aimes parce que tu seras en tournée. Pourquoi tu fais ça? T'en as pas besoin. C'est vrai que j'ai suffisamment de boulot. Mais j'en ai besoin. J'ai besoin d'aller sur scène parce que je pense que je suis en train de m'assécher et je vais crever si je monte pas sur scène. Puis maintenant, c'est pas genre je veux être comédien ou comique ou ce que vous voulez. Je le suis. J'ai déjà joué et pour moi, c'est mon métier, quoi. C'est une corde de plus à mon arc, mais celle-ci, je veux pas la rater. C'est un challenge qui est important, quoi. C'est vital pour moi. C'est vital. Alors maintenant, si ça marche, tant mieux. Apparemment, il y a des signes plutôt encourageants. Si ça marche pas, j'aurais pas de remords, vous voyez ce que je veux dire? J'ai pas envie de me dire toute ma vie, putain, tu l'as pas fait, quoi. Bravo. Ce qu'il faut dire, c'est que tout a commencé au Lavandou, où se produisait Gad Elmaleh. Ouais. Et un jour, donc, il dormait chez vous, évidemment, le soir, vous le voyez se concentrer, vous le voyez répéter. Je le vois écrire ses textes, je le vois commencer un peu à s'agiter. Ouais. Et une espèce d'électricité d'un coup autour de lui. Et je me dis, putain, c'est incroyable, quoi. C'est plus le même gars, il est là, il rentre dans une concentration. Gad, c'est un tueur, hein, dans le one-man show, vous l'avez vu sur scène, c'est une bombe. Je l'ai vu plusieurs fois, oui. Et il me regarde, il me dit, je le regardais, je l'observais presque comme si je voyais un animal dans un zoo, quoi. Je dis, mais c'est incroyable ce que tu fais. Et là, il m'a dit, mais pourquoi tu le ferais pas, toi? Je dis, bah arrête et tout. Et puis, vous savez, les copains ont dit, chiche, fais-le. Et on s'est assis 2 heures, on a écrit un petit bout de 10 minutes. Et il m'a dit, tu vas le jouer ce soir avant moi. Et je croyais que c'était une blague. Au Lavandou. Et ça restera un... Alors c'est bien parce qu'on filme tout ça, mais ça restera un de mes plus grands souvenirs pour l'instant. C'est que donc Gad me pousse sur scène alors que je veux pas, je suis malade, je vomis, enfin je vous la fais courte. Et au moment où je commence à parler, 100 mètres plus loin, il y avait un autre spectacle d'été qui démarrait. Et j'entends, et maintenant, bienvenue au Lavandou pour le grand spectacle Taureau Piscine avec deux parleurs énormes. Et j'ai dû faire 10 minutes où j'ai surtout pas été drôle du tout. Mais les gens m'ont applaudi, m'ont encouragé, vous voyez que j'étais un peu bancal et tout. Et en sortant de scène, Gad m'a dit, voilà, c'est ton métier maintenant. Ouais. Et c'est ce jour-là que j'ai croisé Dominique Pizzi, le producteur de Gad et de plein d'autres. Et Domino m'a dit, c'est obligatoire que tu montes sur scène, t'as plus le choix. Et on s'est tapé dans la main. Et voilà.
Et aujourd'hui, eh ben, on est à 15 jours du départ. C'est terrible, hein, parce que on a décidé ça il y a un an, puis c'est un peu, ça passe par-dessus la tête. On se dit oui, c'est dans 3 mois, 4 mois, 2 mois, 1 mois. Puis là, on approche, le compte à rebours est là et mon transit est totalement perturbé. Alors, j'ai un texto, là, Zégui. Ça marche déjà, il y a des dates complètes, c'est Anso. C'est son attaché de presse, tu te rends compte comme il est malade. Il a la folle. C'est son attaché de presse, Anso, qui m'envoie des textos pendant l'émission, trop fort. Trop non, fort. Mais, non, mais elle est bien, Anso. Hein. Je veux pas faire de la retape, mais c'est vrai que, je sais pas si c'est de la curiosité, ou si on est fan, ou c'est une preuve d'amitié, mais c'est vrai que je suis épaté de savoir qu'on a 3 ou 4 cirques d'hiver déjà pleins pour le mois de mars. Ouais. C'est-à-dire que la démarche d'acheter un billet, de bloquer la date, de ranger ce billet dans un tiroir 6 ou 7 mois en avance, c'est un truc que je connaissais pas. Dites-leur merci à ceux-là quand même. Ben, ils le savent, je leur dis merci vraiment, tous les jours à la radio. Merci parce que ça me donne du baume au cœur. Ouais. Mais il n'y a que 4 jours de plein, il en reste une dizaine. Donc c'est horrible parce que les 4 premiers jours ils se sont remplis super vite et puis les autres on se dit mais qu'est-ce qu'ils foutent là, c'est la famille les 4 premiers jours après. Je crois que déjà le bouche à oreille n'est pas bon. Alors les réactions, vos parents, qu'est-ce qu'ils ont dit? Mes parents ils sont plus à ça près quoi. Ouais. J'en ai encore de l'argent. Estelle, elle l'a pris comment? Je crois qu'elle l'a bien pris. Elle sentait que c'était quelque chose qui était vital pour moi. Ouais. Puis comme elle aussi, elle est en train un peu de changer de carrière, on se booste. Ouais, elle n'a pas fait que te raconter ça, d'ailleurs. Votre associé, Stéphane Corby, il l'a pris comment? Je crois qu'il a bien pris. Il m'a dit bonne chance. Tant que je suis là du lundi au vendredi et que la maison tourne, tout va bien. Tant que je fais mes émissions de télé, tout va bien. Non, je crois qu'il m'encourage parce que les gens qui connaissent savent que j'ai besoin de ça. C'est un besoin. C'est comme... voilà, c'est une nouvelle adrénaline pour moi. Ça veut pas dire que j'aime plus le reste, au contraire, mais c'est juste que j'en ai besoin. C'est ma nouvelle vie. Alors, c'est un spectacle où vous allez parler de votre vie. Vous dites, en parlant de votre vie, c'est un désastre sympathique. Alors, la formule est jolie, c'est bien trouvé. Mais c'est un peu faux, quoi. Votre vie, c'est pas un désastre sympathique. Vous avez une chance folle dans la vie, Arthur. Ah, j'ai une chance. Énorme. Je veux dire, je devrais avoir des boules de Noël en boucle d'oreille. Bah ouais. Parce que ma vie, c'est tous les jours Noël, c'est vrai. Enfin, depuis quelques années. Ouais. Parce que je suis pas né dans de la soie. Et surtout. Aujourd'hui, c'est vrai que vous faisiez l'éloge de tous les millions d'euros qui sont surtout mes comptes mondiaux. Mais vous n'avez pas passé le passage où depuis l'âge de 16 ans, je travaille et j'ai commencé à très bien gagner ma vie à 8-9 ans. Mais moi, j'ai fait 11 ans de la radio à 4 heures du matin. J'ai fait plein de choses. Ce n'est pas du calvaire. Mais je pense que je mérite enfin ce que j'ai fait. Ouais. Première émission de télé, l'émission Impossible, qui est un échec. J'ai fait une émission télé qui passait à minuit et qui faisait de l'audience. Ouais. Mais je disais des grosses conneries et c'était l'époque de la quête du sens de TF1. Et donc on m'a expliqué que j'avais peut-être du talent, mais ce que je disais, il ne fallait pas que je le dise. Et donc, suite à l'émission Impossible, vous rencontrez Stéphane Courby. Donc, à l'époque, il travaille avec De Chavannes. Il a inventé combien ça coûte. Et il a proposé à Christophe De Chavannes de s'associer avec lui. Christophe De Chavannes n'a pas voulu. Il l'a viré. Et vous le rencontrez. En fait, il doit regretter Christophe De Chavannes aujourd'hui quand même, non? Oh, je pense que de temps en temps, il doit avoir une petite paire de boules. Mais moi, je suis pour rien. Hein. Généralement, c'est leur histoire. Moi, j'ai rencontré Stéphane le jour où TF1 m'a annoncé que j'étais viré. Ouais. J'étais dans la salle d'attente, enfin dans la salle d'attente, dans le bureau à côté du bureau d'Étienne Moujotte. Et j'attendais qu'on m'annonce qu'on me vire. Et il y avait Stéphane qui attendait qu'on lui annonce qu'il était viré. et mon amie Béatrice Esposito, après les deux rendez-vous, nous a dit « Bon, bah toi, t'es animateur, t'es viré. Toi, t'es producteur, t'es viré. Peut-être qu'on pourrait aller prendre un petit déjeuner ensemble. » Et on ne s'est plus quittés. On est devenu un vieux couple. Et aujourd'hui, 150 millions d'euros chacun. Par jour, Thierry. Par jour, pendant 10 ans. Alors, ça commence très fort, votre association avec Stéphane Corby, parce que le patron de France Télévisions à l'époque, Jean-Pierre Elkabbach... Paix à son âme. Non. Jean-Pierre Elkabbach, c'est incroyable ça. Vous prêtez de l'argent, ce qui est rare sur France 2, c'est-à-dire qu'on vous a avancé, c'est d'une chance. Je parlais de vos chances, c'est une chance. Bah, s'ils ne l'ont pas fait pour vous, je suis désolé, mais nous, ils l'ont fait pour nous. c'est toujours des reproches qu'on nous fait. On démarrait, on n'est pas une thune avec Stéphane, et on décide de faire une émission. Une émission, tu le sais, il faut construire un décor, il faut faire de l'habillage, payer des gens. Ça coûte de l'argent. Hein. On leur a dit, bon, en tout cas, dans nos émissions, on met de l'argent dans le décor, nous. Et puis voilà, on lui a dit on n'a pas de quoi payer. Il nous a dit je vous avance l'argent, vous me le remboursez. Ça fait un scandale énorme. Bon ben voilà. Il y en a qui se sont fait virer, d'autres qui sont encore là et qui ont toujours de l'argent qui leur a été avancé. Ah oui. Ah. Bien.
Alors, ensuite, donc, au moment du scandale des voleurs de patates, vous repartez sur TF1. Oui, en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand les enfants de la télé ont commencé à vraiment cartonner sur France 2, parce qu'on était à la même heure que vous le samedi soir, les enfants de la télé, c'était la première fois que France Télévisions battait TF1 un samedi soir. Bien avant le scandale des animateurs producteurs, Étienne Moujot nous avait dit « Arthur, tu reviens quand tu veux » et bah, on a trouvé que c'était le bon moment. Ce qui était très malin, c'est que vous aviez le droit d'emporter votre émission ouais, sur TF1. Ouais, ouais. On avait amené les enfants de la télé et la fureur. Ouais. Ouais, ouais. Mais d'un autre côté, on nous avait dit que c'était de la daube et qu'il fallait qu'on s'en aille. Hein. Ouais. Donc nous, on n'a pas demandé à partir, on était très bien sur France 2. Vous avez peur de la critique pour votre spectacle, Arthur? Non. Pourquoi? Je trouve que c'est super mytho quand on dit « moi je m'en fous des interviews », c'est pas vrai. Maintenant, je vais pas inviter des critiques à mon spectacle, comme ça, ça évitera de fausser leur jugement. Ah oui. Vous croyez que c'est une bonne idée, ça? Parce que... Non, je sais pas si c'est une bonne idée, parce que Houellebecq, il a donné le livre à personne et tout le monde en a dit du mal. Ouais, mais il va quand même en vendre. Ouais. Ce que je veux dire, c'est que moi, ce spectacle, je le fais pas pour les critiques. Vous savez, moi, je trouve que les critiques, c'est un peu comme les eunuques dans les harems. Mmh. Ils voient tout le temps les gens faire l'amour, ils savent comment le faire, mais ils peuvent pas le faire. Ah, vous allez pas vous les mettre dans la poche en mais disant non, mais ça mais vous savez, moi, je suis pas en train de dire du mal des journalistes. Non. Juste que moi... Je dis juste qu'ils ont pas de couilles, mais... Non, j'ai dit, c'est comme les eunuques. Non, honnêtement, il y a des journalistes, ça fait 10 ans qu'ils me démontent la tête. J'ai démarré, ils commencent à me casser. 10 ans plus tard, ils sont dans le même journal à me casser tous les dimanches, par exemple. Et moi, aujourd'hui, ben, finalement, j'ai fait des choses, j'ai construit, j'ai créé des programmes, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, j'ai bâti un truc, j'ai créé des emplois. 150 millions d'euros. Minimum. Minimum. Par jour. Ah ouais. À choisir entre un bide avec le spectacle et le bide de la Star Academy 5, vous choisissez lequel? La Starac va cartonner, le spectacle aussi, j'en suis sûr. Ouais, mais si... Mais à choisir. Si à choisir. Devait être un bide. Écoutez, il y a déjà eu pas mal de Starac, je trouve. Hein. Dites-moi. Je vais me faire massacrer dès demain matin, si ce n'est ce soir. Hein, j'attends que les SMS arrivent. Étienne, vous n'avez pas peur que Koé fasse la même chose que vous, juste pour vous faire chier, non? Mais je crois qu'il le fait déjà. Ah, il le fait? Ah, il a déjà... Ah bon? Il fait déjà chier. Ah oui. Non, mais j'ai lu qu'il allait faire un spectacle une semaine avant le début du mien. Non, c'est pas vrai. Si, j'ai lu ça, mais je lui souhaite bonne chance. Et je suis même ravi qu'il le fasse. Ah oui. Comme ça, les gens, ils pourront comparer. Ah. Avec un peu de chance, comme je connais Koé, si vous allez faire la promo dans son émission, il aura déjà piqué l'interview que je vais vous faire là.